Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo du zombie, j'essaierai de regrouper tout ce que je connais sur le zombie. J'avais juste omis de ne pas mettre quelques trucs parce que tout le monde les connaît, donc tout le monde s'en fout un peu. J'ai pas aussi mis le transit, car presque tout est dit dans toutes les vidéos. Tout le monde connaît presque tout. Enfin, je vois pas pourquoi je vais mettre ça. Donc la vidéo sera interactive, vous n'aurez qu'à cliquer pour aller où vous voudrez. Allez, c'est parti. Taser, un coup de poing américain, bon maintenant tout le monde connaît, coûte 6000, donc il tue en un seul coup jusqu'à la manche 13, bon il ne peut pas être amélioré. En transit nous avons aussi le couteau de chasse qui coûte 3000, il a quand même pas mal de dégâts, par contre je n'ai pas trop d'informations sur lui. Dans les bonus, bon, il y a tous les bonus avant, il y a un bonus spécial, c'est un atout. Il peut vous donner n'importe quel atout. Vous pourrez l'avoir dans la manche des rampants, vous devrez les tuer au couteau. Bon, je vous explique une petite technique en vidéo. Il faut juste passer un propulseur dans la salle là, que tout le monde connaît, et tourner autour. Et à chaque fois qu'un rampant montera sur le propulseur, vous savez la suite, jusqu'à ce que vous les tuiez tous. Vous n'aurez qu'à tourner, vous n'aurez aucun risque. Donc, côté atout et nouveauté, c'est l'atout qui permet de vous réanimer vous-même. En fait, dès que vous mourrez, vous attendrez un peu, vous retrouverez genre une sorte d'esprit, vous verrez vous-même par terre en luminescence, et vous devrez vous réanimer vous-même. Et apparemment, il y a cet atout, enfin cet état, un rapport avec le secret, enfin le prochain secret du zombie. Donc ça reste à venir. Voilà. Quant au pack-a-punch, il faudra juste le chercher dans les ascenseurs, rien de difficile. Après, bon, ça reste le même prix, rien de nouveau. Donc, le certificateur se compose de 4 pièces. La première pièce est proche de la télévision, au haut des escaliers, elle ne change jamais de place. La deuxième pièce se trouve juste à côté de l'établi, dans une cage ou à côté du courant sur une table. La troisième se trouve dans la salle du courant, près des ascenseurs ou à côté du frigo, sur un plan de travail. La quatrième se trouve sur un baril, juste en bas de l'escalier, à côté des débris, à dégager ou sur une table en bois, près des douches. Comment construire le propulseur? C'est un objet qui, une fois posé à terre, permet de sauter de bâtiment en bâtiment, tout simplement de balancer les zombies dans le vide. Donc, nous aurons la grille, le drapeau, le soufflet, un machin qui sert à tenir un feu allumé, le compresseur. Ces pièces se trouvent tous dans la zone de départ ou derrière la première porte, celle à 750 $.